Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec saura faire, ce ne se laisse pas faire. Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec saura faire, ce ne se laisse pas faire. Vive les Québécois catholiques, comme nos ancêtres nous le sommes. Et nous le serons jusqu'à notre mort. Vive les patriotes de 1837, 1838, 1970, 1968 et 2013 et futurs. Ceux qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi comme chrétiens, comme catholiques, au Québec, contre les islamiques, Homme de Dieu, par Ogmandino. Extrait du livre Le plus grand miracle du monde. J'entends ton cri. Il traverse l'obscurité, s'infiltre dans les nuages, se mêle à la lumière des étoiles et se fera un passage jusqu'à mon cœur, en suivant le chemin d'un rayon de soleil. J'ai connu l'angoisse en entendant le cri d'un lièvre qui étouffait dans le mieux coulant d'un piège, du moineau tombé du nid de sa mère, d'un enfant qui essayait en vain de pêcher dans un étang, et d'un fils répandant son sang sur la croix. Sache que je t'entends aussi. Sois en paix, sois calme. Je t'apporte le soulagement à ta détresse, dont je connais la cause, et le remède. Tu pleures sur tous tes rêves d'enfant qui se sont évanouis avec les années. Tu pleures sur ton amour propre corrompu par l'échec. Tu pleures sur ton potentiel que tu as échangé pour de la sécurité. Tu pleures sur ton individualité que la foule a piétinée. Tu pleures sur tous tes talents gaspillés parce qu'ils ont été mal utilisés. Tu te regardes avec mépris et tu te détournes avec terreur de l'image qui se reflète dans les temps. Qui est cette caricature humaine qui te fixe d'un regard froid chargé de honte? Où sont donc passées la grâce de tes manières, la beauté de ta silhouette, la rapidité de tes mouvements, la clarté de ton esprit, ta repartie vive? Qui a volé ton avoir? Connais-tu l'identité du voleur aussi bien que moi? Un jour, tu as posé ta tête sur un oreiller d'herbe tendre dans le champ de ton père, et tu as contemplé dans le firmament une cathédrale de nuages, sachant que tout l'or de Babylone serait à toi un jour. Tu as déjà lu dans plusieurs livres, tu as couvert plusieurs tablettes de ton écriture, convaincu hors de tout doute que ta sagesse égalerait et dépasserait même celle du roi Salomon, et que les saisons se transformeraient en années, jusqu'à ce que ton règne suprême arrive dans ton propre paradis terrestre. Te souviens-tu de qui a planté ses projets, ses rêves et ses graines d'espoir en toi? Tu ne le peux pas. Nos ancêtres québécois catholiques, j'en sais. Et tu ne te souviens pas que j'ai placé ma main sur ton front délicat, et du secret que j'ai murmuré dans ta petite oreille lorsque je t'ai accordé tous ces bienfaits? Te souviens-tu de notre secret? Tu ne le peux pas. Les années passées ont détruit tes souvenirs, car elles ont rempli ton esprit de crainte, de doute, d'angoisse, de remords et de haine. Et il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux là où ces bêtes habitent. Ne pleure plus, je suis avec toi, et ce moment est le point tournant de ta vie. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'existe pas plus.
que les morts enterrent les morts. Sortir, et tu sortiras de ce sort tragique pour commencer une vie nouvelle. C'est ton anniversaire. Ceci est ta nouvelle date de naissance. Ta première vie, comme dans une pièce de théâtre, n'était qu'une répétition. Maintenant, le rideau est levé. Cette fois, le monde regarde et attend pour t'applaudir. Cette fois, tu n'échoueras pas. Allume des chandelles. Partage ton gâteau. Verse le vin. Tu es revenu à la vie. Comme le papillon sortant de la chrysalide, tu voleras. Tu voleras aussi haut que tu le souhaites, et ni les guêpes, ni les libellules, ni les mantes de l'humanité ne t'empêcheront de réussir tes missions ou ta recherche des vraies richesses de la vie. Sens ma main sur ta tête, puise dans ma sagesse. Laisse-moi partager avec toi une fois encore le secret que tu as entendu à ta naissance et par la suite oublié. Tu es mon plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle du monde. Ce sont là les premiers mots que tu as entendus. Mais tu as pleuré, mais en plus. Tu ne m'as pas cru alors. Et rien n'est survenu par la suite pour mettre fin à ton incrédulité. Car que pourrais-tu être un miracle alors que tu te considères comme un échec, même dans les tâches les plus simples? Comment peux-tu être un miracle quand tu as si peu confiance en toi, même quand il s'agit de prendre la plus petite des responsabilités? Comment peux-tu être un miracle alors que les dettes t'accablent et que le tourment te tient éveillé, te demandant d'où viendra le pain de demain? Cela suffit. Le la renversée est sûre. Et pourtant, combien de prophètes, combien de sages, combien de poètes, combien d'artistes, combien de compositeurs, combien de savants, combien de philosophes et de messagers t'ai-je envoyé, porteurs du message de ta divinité, de ton potentiel divin et des secrets de la réussite? Comment les as-tu traités? Mais je t'aime toujours. Et je suis avec toi maintenant à traverser pour réaliser la prédiction du prophète qui a annoncé que le Seigneur tendrait la main encore une fois, une seconde fois, pour aider le reste de son peuple. Je tends la main une fois de plus. C'est la seconde fois. Tu fais partie de ceux qui restent. Cela ne me sert pas. Québécois, nous sommes Québécois, le Québec saura faire, ce ne serait-ce pas faire. Québécois, nous sommes Québécois, le Québec saura faire, ce ne serait-ce pas faire. Québécois catholiques, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Les islamiques empiètrent sur vos us et coutumes québécoises, françaises, catholiques. Réveillez-vous!
le manifeste. Ce qui caractérise avant tout un manifeste, c'est qu'il est porteur d'un message. Ici, le contenu est plus important que le contenant. Le médium n'est pas l'essentiel du message. Le manifeste annonce, proclame, et toujours de façon explicite, pas question de devoir lire entre les lignes pour en découvrir le sens. Le manifeste n'est pas un discours refermé sur lui-même. Il est avant tout un geste. Il part de et revient toujours à la réalité. Le plus souvent, il ne s'agit pas tant d'une réalité que l'on veut analyser que d'une réalité que l'on voudrait différente. Entre le manifeste et la réalité qui lui a donné vie, existe une relation fondée sur le refus. Il ne saurait y avoir de paix entre les deux. On n'écrit pas un manifeste, on le publie. Le manifeste parle aux autres. Par définition, il ne saurait demeurer sur la tablette. En diffusion publique est essentielle. Car la relation entre le texte et l'auditoire passe bien avant la relation auteur-texte ou auteur-public. Si le manifeste parle aux autres, il est aussi le plus souvent signé par d'autres. Rarement le manifeste, et l'on pense immédiatement au j'accuse de Zola, est-il le produit d'une seule personne? C'est le nous et non le je qui prédomine dans un manifeste. D'ailleurs, de nombreux manifestes commencent souvent par une définition de la composition de ce nous. Moi, le chef du P, du FLQC, c'est-à-dire le Front de libération québécois catholique écœuré, eh bien, je revendique la suprématie de la religion catholique au Québec sur toute autre religion. Au nom de mes concitoyens, et au nom aussi de mes concitoyennes naturellement, et de nos descendants qui viendront après nous, de génération en génération, comme ce fut le cas pour nos ancêtres. Eh bien, oui, en terre promise, de nouvelle terre promise de Québec, il faut que la religion catholique soit maître, envers et contre tous, toute autre nation ou toute autre entité, religion, etc., etc., etc. Vive les patriotes de 1837 et 1838 et ceux de 1968 et 1970 et 2013, ceux qui ont à foi la religion catholique et qui croient en Jésus. Le FLQC, le Front de libération québécois, catholique, des écœurés, eh bien, est un mouvement non violent qui ne posera pas des gestes répréhensibles au point de vue de la loi, là, tels que manifestation dans les rues ou autres manifestations du genre, là.
ni des actes répréhensibles, comme je l'ai souligné au point de vue de la loi. Vox populi, vox dei. La démocratie ici au Québec est en place depuis nombre de siècles. Il faut que ça continue. Mais il ne faut pas charrier quand même, hein? Les nouveaux arrivants, là, parlez français, là. La loi 101 au Québec, obligatoire. Et aussi, eh bien, respecter nos us et coutumes ancestrales de nos ancêtres.